Mélie, bonjour. Bonjour, Samet. Alors, Mélie, si on te demandait de te présenter, qu'est-ce que tu dirais à l'ensemble de nos téléspectateurs, de nos auditeurs également? Moi, c'est Mariam Traoré à l'état civil, dit Mairie. Je suis artiste, musicienne, danseuse. Et je dirais mon parcours, j'ai quand même commencé avec la danse. J'ai accompagné pas mal d'artistes au Burkina. Et aussi, j'ai hérité d'une formation aussi de la danse contemporaine. Et à l'école de Irène Kassambédor, CDC La Termitière. Et j'ai aussi fait la danse traditionnelle à la maison des jeunes, la troupe Bonogo. Voilà. Alors, un long parcours, en fait, on va voir, hein, de danseuse, quand on dit moderne ou contemporaine, dans tous les Oui, cas, tu restes une grande chorégraphe et tu décides de franchir le pas avec, pour, en fait, passer à la musique. Qu'est-ce qui a motivé ce choix-là? Ce choix, je dirais que j'ai vraiment la passion de ce que je fais. J'ai d'abord commencé avec la danse, les artistes que j'accompagnais, c'est eux qui m'inspiraient aussi, qui me donnaient des idées. Et Mariam, tu es une danseuse, pourquoi ne pas te lancer dans la musique? Et voilà comment je me suis lancée dedans. Et alors, tu as travaillé avec beaucoup d'artistes quand même au Burkina, Oui, quand même. On peut beaucoup, citer ouais. quelques-uns? Oui, j'ai dansé avec Nioli, Ida Gbasabe, Samir Ama, Ali Vérité, Flobby Dez, et Afolo Paix à son âme, Jeanne Bikaba Paix à son âme, j'ai accompagné plein d'artistes. Alors qu'on se rend compte que c'est une carrière vraiment chargée, on va dire, avec aux côtés également d'autres artistes. Mais tes collaborations avec ces artistes-là aujourd'hui? Je pense qu'il n'y a pas de problème, hein. Il y en a d'autres que je croise, il y en a d'autres aussi, il y a longtemps, je ne les ai pas vus. Mais je pense que, bon. Pour moi, je pense qu'il doit être content de me voir aujourd'hui sur scène en tant qu'une danseuse et une chanteuse, quoi. Ouais. Faux concept, ah voilà. Moi, Mary, je suis là pour vous faire danser, pour mettre de la joie dans vos cœurs. Aujourd'hui, les femmes dans le milieu, c'est un autre regard aussi que peut-être les hommes ont aujourd'hui. Est-ce que ce regard-là, il a changé, le regard des hommes envers toi, est-ce qu'il a changé depuis que tu es devenue artiste? Parce que ce n'est plus la danseuse. Bon, ça n'a pas changé, hein. Ça n'a D'accord. pas changé, c'est pareil Donc, on parce continue que de te draguer, on continue de te biper, ça c'est on veut clair. le numéro. Pour le maintenant même là, c'est devenu plus pire quoi. D'accord. Plus pire Raconte-nous un que peu comment. Raconte-nous un peu. parce Les que téléspectateurs veulent le savoir. non, mais maintenant ça devient plus pire quoi. Voilà, donc ils se disent oh, bon, c'est une chanteuse, plus c'est bon, comme les gens ont la tendance de dire que les artistes sont la femme de tout le monde, donc tout le monde veut essayer de tenter voir ce qu'ils vont, tu vois. Donc bon, comme moi aussi, je ne suis pas rentrée par hasard, je sais, j'attends, je sais ce qui se passe, donc j'essaie de tenir mon coup, quoi. C'est vrai que je suis artiste, mais aussi j'ai une vie privée, quoi. Voilà. Alors justement, parlons de la vie privée de Mélie. Cette vie privée-là, elle se conjugue comment? Parce que Mélie est mariée, Mélie est un cœur à prendre. Dis-nous en plus. Non, Mary n'est pas mariée, D'accord. mais Mary est déjà engagée. Ouais. Voilà qui doit décourager plus d'un hein, dans le monde, hein, bien sûr. Non, D'accord. mais c'est ça. D'accord, ok. Alors, admettons aujourd'hui, situation, tu arrives à une scène, tu finis de prester, il y a un gentil monsieur qui demande ton numéro, qu'est-ce que tu lui dis? Non, je donne le numéro de manager. Super. Et tout. D'accord. Donc, le numéro qu'elle vous donne là, c'est le numéro de manager, ce n'est pas le numéro de Mary. D'accord. C'est juste pour la petite parenthèse aujourd'hui, Mary, déjà, c'est vrai que tu as une longue carrière dans le showbiz, hein, bon, qu'il avait déjà. Mais comment tu conjugues, en tout cas, tu l'as dit tout à l'heure, tu as une vie privée bien remplie. Comment tu conjugues aujourd'hui vie privée et puis ta carrière également, qui désormais, en tout cas, prend une autre dimension? En tout cas, j'arrive à gérer ça parce que bon, ma vie privée, c'est vrai, mais il y a aussi mon travail.
Maintenant, comment est-ce que je peux essayer de partager mon travail et ma vie privée? Mais je pense que ma vie privée ne m'empêche pas de travailler. Parce que bon, c'est quand même ça, quoi. J'ai ma vie privée, j'ai mon travail. Mais j'essaie de gérer sans problème. D'accord. Merci infiniment d'être venu. C'est fait un plaisir. Merci à vous aussi de m'avoir invité ici. Le Burkina Faso, pays des hommes intègres, au cœur de sa capitale, Ouaga24.com. Ouaga24.com, c'est votre site internet d'information générale, politique, santé, société, people, cuisine, sport, technologie. Tout est décrypté pour vous sur votre site internet Ouaga24.com. Ouaga24.com, c'est aussi Radio Burkindi, la web radio dédiée à la musique burkinabé, et BFTV Live, votre web TV. Ouaga24.com, toute l'actualité en temps réel, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Alors, à tout de suite sur Ouaga24.com. Contactez-nous grâce à notre newsletter ou appelez-nous au 70 65 65 00. Ouaga24.com, la passion de l'information.